l'énergie, les prothèses, la possibilité d'avoir des capteurs, des objets connectés, du logiciel, par exemple, pour faciliter des opérations, pour l'intégrer dans le corps, les implants, nanorobots, la réalité augmentée, etc., etc. Et on en est venu à classer ça en trois catégories. Tout ce qui concerne le fait de mieux se connaître, et à la fois mieux se connaître soi-même, et peut-être mieux être connu par l'ensemble de la société, on verra plus tard de la surveillance. Ensuite, tout ce qui est capacité, productivité, mais avec un aspect positif qui est la libération de l'esprit. Et puis, tout ce qui est sensation, augmentation des sensations. Et l'autre groupe, par rapport à ces choses qu'ils ont trouvées aussi, ils ont rajouté... On a rajouté simplement les conséquences. Donc, ces conséquences sur les transports, il y a un écartement. Alors, les transports, dans le véhicule intelligent, on va plus, donc ça va mieux. Il y a un écartement, on peut en qualifier en perte, il y a un écartement mieux qualifié, sans de la prolongation, donc on contacte le téléphone, il faut une extension. Je suis obligé d'aller très vite pour vous aboutir à 5 minutes. Donc sur l'aspect optimisme, donc guérison, prolongation de la vie, et prolongation de la vie avec du. En étant en bonne santé, prolonger sans être en bonne santé, c'est pas très intéressant. Intelligence, plus d'écologie, plus de productivité, espoir d'un meilleur lendemain, meilleure éducation, faciliter la communication, donc toujours sur la voiture autonome, confort, diminution des accidents, protection du corps humain, avec précision aussi des interventions, par exemple chez l'hôpital, et puis donc décharge des tâches fastidieuses et répétitives, ouais, localisation des données et du temps, on revient sur du temps pour s'occuper de soi. Donc noir, négatif, accentuation des inégalités, big brothers, la surveillance partout, l'eugénisme, manipulation des gènes, affaiblissement des capacités actuelles, notamment de la mémoire, de l'attention et de choses qu'on va confier à des extensions et qu'on va perdre soi-même, perte d'esprit critique. L'autre groupe a rajouté science sans conscience, les curies de l'homme. Et ensuite, rendre bête, télémanipulation de puces qui pourraient être implantées dans nos corps. Et puis, une question, on vit tous de plus en plus vieux, quelle est la place des jeunes dans cette société? Alors, ce qui est très drôle, les deux. Alors, on a un petit pensée pour que vous connectez. C'est vraiment le robot, exactement, des robots sexuels, des membres supplémentaires. En fait, le problème social n'est pas de communiquer avec les espèces, pourquoi pas, on peut toujours rêver. La téléportation, on y travaille avec son équipe en Australie. Voilà, ça, ce sont des choses assez marrantes, et les c'est sur le super santé, dans le temps qu'on rêve. Ce qui est un peu lourd, sur le pass, parce que c'est un message particulièrement particulier, pour l'instant, chapeau rouge, directement. Donc, ce qui va se réaliser, alors la première chose qui revient, c'est la peur d'être identifié, la peur de la réalité virtuelle, ce qui peut nous donner des angoisses. Puissance. Deuxième chose, ça, c'est par contre le dépassement technologique, la réalité augmentée. Ça va nous donner de nouvelles possibilités. Donc c'est plutôt une conséquence de curiosité, d'enthousiasme, d'excitation, parce qu'on a vraiment de nouvelles choses qu'on peut faire. Ce qui peut nous rendre triste, c'est une rendre la science d'enregistrement, la manière dont on gère ces émotions, c'est le fait de nous connaître. Et il y a un dernier point, effectivement, aussi, attention au danger, c'est l'addiction. Un peu comme l'alcool, comme le reste, etc. Ça, c'est important. J'arrive pas à passer. Merci. Alors ensuite, honnêtement, le chapeau vert. Donc dans la progression du corps humain, c'est ça exactement ce qui nous permet de prendre du recul. Premièrement, grâce au data, grâce à l'utilisation, grâce à cette possibilité d'amener des grandes masses d'informations, exactement, c'est bon, sur le corps on peut travailler, c'est. L'équité, c'est le voyage dans le temps de l'espace, se donner du temps pour soi, ça c'est quelque chose qui va nous permettre. On va faire travailler les machines, on va faire travailler ces données, et ça va nous permettre de rajouter aussi de la valeur ajoutée. De même, les souvenirs, on a plus besoin de retenir. On a moins de retenir, moins. On va stocker exactement les souvenirs, récupérer exactement tout ce qui s'est passé.
transmissions, vous souhaitez les pouvoir les réactiver, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Ensuite, le problème aussi de tout ça, aussi, c'est l'aspect boîte noire. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Un premier robot a condamné une personne à 6 mois de prison ferme, mais on ne sait pas exactement sur quel algorithme c'était basé. Donc, quelques instructions. Voilà. Et puis ensuite, il y a quelque chose des prothèses intellectuelles, l'intelligence accompagnée, la déshumanisation. Voilà au niveau des émotions, ce que ça va rendre. Et en fin de compte, quand on pose la question, c'est de dire ben voilà, si les données nous permettent de faire plus simple, parce que toutes les émotions ne vont pas être touchées. Ça, c'est la question qu'on pose. C'est ça, je rajoute un petit point sur le souvenir, parce qu'il n'y avait pas seulement ce souvenir de tout et d'avoir une mémoire vraiment étendue. Il y avait aussi la question de qu'est-ce qu'on veut oublier, qu'est-ce qu'on va faire quand on veut absolument oublier quelque chose. Voilà. Mariage mixte, etc.
pouvoir dire que le nom est l'IA, l'utilisation de l'IA au service de l'humour. L'utilisation de l'IA au service de la communication. Avec les animaux, communication avec les animaux, communication avec les plantes, donc l'eau qu'on doit parler, mais aussi avec la communication avec les extraterrestres. Voilà. Là, on n'est plus dans l'objectif. Et avec son conjoint aussi. Pour mettre en service la communication avec son conjoint, là, on est dans la science-fiction. Communication, mettre en service la communication avec ses enfants. Encore plus difficile. Et communication des enfants avec leurs parents. Donc plus difficile. Voilà, et au service du quotidien, plus de loisirs. Chapeau rouge, donc les passions. Bon, on a fait une partie sexe, une partie colère, donc l'art des machines, l'art de l'artificiel. Peur, il y a le côté peur, peur et perte de sens, que je puisse connaître, c'est une citation de Kant, que dois-je faire, tristesse, tristesse de l'IA, parce qu'il y a plus, sans perdre de la poésie, quoi, toute, voilà, l'IA, bon, il y a plus toute, par rapport à quel sens. Bonheur, l'IA au service du bonheur éternel, et l'IA pour un monde bisounours, un peu tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Voilà. Château vert, donc de demain, au service de la prévention, soit prévention des malveillances, soit prévention des maladies. Au service de la détection des talents et de l'éducation de la connaissance, au service de la civilisation des loisirs, donc du travail et loisirs, au service de la démocratie et de la paix universelle. Voilà. Et travail et loisirs, et changer le monde, comme par exemple connaître un sens sans la faim, une planète sans la soif, un monde de joie et de fraternité, un monde de paix. Faire le vie en bonne santé, diminuer la colonie naturelle, et s'organiser par l'expression d'une barre. Bravo! Last but not least. Yes! Concernant le PCI,
sinistre, évidemment, c'est la difficulté à contrôler. Certains disent qu'il est trop tard pour certains usages, le manque de conscience des enjeux, les risques de surprotection, une traçabilité excessive, un risque d'asservissement, un asservissement à tout ce qui est traitement automatique, prise de pouvoir par les machines. On n'a pas trop de temps pour faire la synthèse et puis déjà, en fait, il y a du mal à bien délimiter le sujet. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et c'est pas facile de se concentrer sur les garde-fous pour essayer. Cette matinée intelligence collective.
espèce, du son et de l'énergie du style. Alors, tout simplement pour terminer en beauté, là, je vais recueillir très rapidement vos impressions sur cette matinée. Et cette impression, en fait, je veux juste que vous les signaliez en un mot. D'accord ? Donc, réfléchissez à votre mot. Je passe parmi vous tous, chacun doit dire un mot sur la matinée. C'est parti. Surprise. Le coréen. Collectif. Efficacité. Il est rapide. J'ai le même, Alors ça marche. Intelligent. Pareil. Ludique. Méthodologie. Entraînant. Enchanté. Synthétisé. C'est de 19 mars sur la RGV.